que l'homme de Dieu a manifesté à notre âme. Alléluia. Amen. Amen. Lisons quand même la parole de Dieu avant de parler. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Nous lisons du 18e verset. Pour les 18e et les 19e versets. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et 19. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La parole du Seigneur. Amen. 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 Merci de nous donner. Merci. La langue de Dieu vient de faire une lecture où on nous dit ne pensez plus aux événements passés. Ne vous rappelez plus des événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si je ne me trompe pas, l'Église cette année exploite un thème qu'on a intitulé la conquête. La conquête, c'est un bon thème, bien aimé. Si nous parcourons des églises dans le monde entier, vous allez comprendre que c'est un thème qui tourne vraiment dans nos églises. C'est bien de conquérir. Quand nous regardons la définition de ces mots conquérir, parce que la conquête vient du verbe conquérir. Conquérir qui veut dire lutter. Dans d'autres contextes, conquérir, c'est battre. Plus loin, on nous dira encore conquérir, c'est vaincre. Dans d'autres contextes, on nous dit conquérir, c'est écraser. Alléluia. C'est écraser. Et je me rappelle de la promesse de notre Dieu. Vous savez, après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu dit au serpent, c'est-à-dire le diable, parce que tu as fait ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Amen. Là, je parle de la femme, c'est-à-dire l'Église. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et celle-ci t'écrasera. Donc, pour dire que conquérir quelque chose est la volonté de Dieu pour nous, enfants de Dieu. Amen. Et vous allez comprendre avec moi, c'est une promesse qui ne date pas juste après la chute. Mais cette promesse vient avant même la chute. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre avec moi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et celle-ci t'écrasera. Donc toi, Satan, toi le serpent, par rapport à ce que tu as fait, tu as bouleversé mon plan, sache que à perpétuité, tu seras écrasé par cette femme. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas glorieux ça. Je disais tout à l'heure, c'est une promesse. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Regardez ce qui va se passer dans le jardin. Quand Dieu
soutira la femme de la côte de l'homme. Adam, quand il a vu la femme, il va déclarer, voici cette fois-ci, os de mes os et la chair de ma chair. Laisse-le prévenir Adam. Alléluia. Amen. Mais parce que l'homme, l'humanité est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, il fait la même déclaration que Adam. Parce que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Alléluia. L'homme est sorti de Dieu. Donc quand Dieu te regarde, il fait cette déclaration. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Alléluia. Amen. Et parce que la promesse a été déjà déclarée. Quand le diable a désobéi là au ciel, en descendant sur la terre, Dieu a vu la colère qu'avait le diable. Voilà pourquoi il va dire, oh malheur à la terre. En d'autres termes, malheur à l'humanité, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Satan a quitté la canda au sacramenté. Et nous avons bataillé à l'homme, mais non. Là sur la terre, il y a mon image. Là sur la terre, il y a ma ressemblance. Et la colère que je vois dans cet homme, ce n'est pas normal. Il faut que je fasse quelque chose. Amen. Sinon ma promesse n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Non, parce que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà déclaré. Vous savez bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, à l'instant même, la chose s'accomplit déjà. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu te promet quelque chose, à l'instant même où Dieu parle, sache que la parole de Dieu s'est déjà accomplie. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Parce que c'est Dieu-là, quand tu parles, bien-aimé, nous les hommes, nous ne voyons pas comment l'accomplissement se réalise. Parce que ça se passe dans l'invisible. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi, l'invisible est plus réel que le visible. Amen. Dieu a regardé, mais non, 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 non. Il faut que je sauve. Même pas cet homme, mais il faut que je garantis ma promesse. La Bible dit, Dieu envoya son fils, il dit Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Dieu a vu que l'homme est faible. Voilà pourquoi la Bible nous dira l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Par rapport à la colère qu'avait le diable, bien aimé, l'homme ne pouvait pas résister. L'homme ne pouvait plus écraser la tête du serpent. L'homme ne pouvait plus vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu précipita maintenant son fils unique, Jésus-Christ. Le puissant guerrier, il est venu sur la terre. La Bible dit, il a fait l'œuvre de Dieu. Il est allé à la croix. Et à la croix, il a déclaré, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tout était accompli. Il était déjà Dieu, il a existé avant la fondation du monde, frère, soeur. Qu'est-ce qu'il n'avait besoin de rien? C'est comme Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ils ne manquaient de rien, ils avaient tout. Ils vivaient dans l'abondance. De la même manière, Christ n'avait besoin de rien. Si Christ est venu sur la terre, le tout est accompli à la croix, c'est pas pour lui, mais c'est pour toi et moi. Amen. Le tout est accompli à la croix, c'est pour l'Église. Mais bien aimé, nous parlons de la conquête, c'est le match. Vaincre, battre, emporter. Je me suis posé maintenant la question. Si réellement Dieu est fidèle dans sa promesse, deuxièmement, réellement que Christ Jésus est venu, il est allé à la croix. Il a accompli l'œuvre de la croix dans sa totalité.
La Bible nous dit même, il est allé dans les séjours des morts. Là, il a prêché la bonne nouvelle. Quand il était parti dans les séjours des morts, la Bible dit qu'il a porté sur lui nos fardeaux. Il a porté sur lui nos maladies. Il a porté sur lui la mort que l'homme subissait. Et quand il est ressuscité, il était sorti avec une autre nature. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il avait porté de l'homme sur lui est resté dans les séjours des morts. Il est sorti avec une nouvelle vie. Posons-nous maintenant la question. Si nous savons réellement que Dieu est fidèle, si nous confessons cet après-midi que Christ est venu, à côté de ça qu'il y a sur les coulisses, pourquoi nous battre encore? Pourquoi chercher à vaincre encore? Pourquoi chercher à écraser? Oui, c'est la volonté de Dieu d'écraser la tête du serpent, le diable. Mais regardez dans nos vies, regardons dans la vie de l'Église, depuis que nous avons commencé à vaincre, depuis que nous avons commencé à emporter. Qu'est-ce que nous avons déjà emporté? Qu'est-ce que tu as déjà emporté dans ta vie? Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui sont spécialistes en combat spirituel. Alléluia. Amen. Je ne refuse pas les combats spirituels. Moi-même aussi, je suis pour les combats spirituels. Alléluia. Amen. Mais ce qui est vrai, Dieu ne nous a pas créés premièrement pour les combats spirituels. Amen. Parce que Christ a tout accompli. Amen. Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. Mais regardez dans nos vies, regardez dans la vie de l'Église. Moins de temps qu'on adore Dieu, nous passons plus de temps dans les combats spirituels. Combien même que nous sommes dans les combats spirituels, mais nous n'arrivons pas à emporter le tout. De Dieu. C'est le souhait, le désir de Dieu d'écraser la tête du serpent. Parce qu'il nous a donné une nouvelle vie. Mais pourquoi depuis tout ce temps, l'Église, ils nous courons derrière le combat spirituel? Peuple de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes là à courir à chaque fois. À reconquérir. Mais nous ne voyons pas le résultat. Posons-nous la question. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pendant que je me posais ces questions, je suis arrivé à une conclusion. Écoutez, là la parole nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Cette parole est adressée à Israël. Israël, un peuple choisi de Dieu. Israël, un peuple mis à part. Israël, un peuple sanctifié. Mais écoutez, aujourd'hui, ce n'est plus qu'Israël. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Aujourd'hui, c'est l'Église. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a sanctifié par le sang de Christ Jésus à la croix. Ne considérez plus ce qui est ancien. Israël a vu le miracle de Dieu. Israël, dans le désert, a mangé la manne. Israël a vu les rochers donner de l'eau. Israël a subi aussi des échecs dans sa vie, dans sa marche. Et arrivé à un certain moment, Dieu rappelle son peuple de ne plus souvenir ses souvenirs des événements passés. Alléluia. Amen. Combien cet après-midi, même pendant que nous sommes là, se souviennent toujours des choses passées. Alléluia. Amen. Quelqu'un a chanté. Pourquoi qui s'en y son écoulous? Oh, Jésus. Nous avons un kembo. A
Jésus. Bien-aimé, tu chantes que Dieu a tout accompli pour toi. Mais pourquoi penser toujours aux événements passés? Alléluia. Amen. Pourquoi penser toujours à tes échecs? Pourquoi penser toujours à la solitude du passé? Parce que Christ a tout accompli pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est intéressant, bien aimé, dans ces récits. Dieu dit, voici, je veux faire une nouvelle chose. Israël le regarde. Je veux faire accomplir une nouvelle chose. Mais ce qui est vrai, tu ne connais pas la chose que moi je vais accomplir dans ta vie. C'est pourquoi je t'appelle à les penser aux événements passés. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, Dieu t'appelle. Dieu t'interpelle parce qu'il veut accomplir une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Dieu veut accomplir une nouvelle chose dans ta famille. Amen. Tu as eu tellement de échecs. Je ne sais pas, peut-être dans ton mariage. Tu as eu des échecs dans tes projets. Tu as eu des échecs dans tes démarches. Mais cet après-midi, Dieu te dit, voici, je veux faire une nouvelle chose. Amen. Je veux faire une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Je veux faire une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Peut-être que pour une maladie, oh alléluia, tu es toujours dans cette maladie. Tu appelles déjà cette maladie ma maladie. Vous savez, il y a des gens terribles même dans l'église de Dieu. Au lieu de mon tableau déclaré la vie, na eko. T'as la tique à ma foule na kimia. Attention à ma soeur qui bandine tous ces lignes à quelle est l'idée. Ils ont malade d'habitude à la famille. Vous comprenez un peu bien aimé. Donc quelqu'un qui déclare, attention à ma soeur qui est bandine, attention à Yeso qui est bandine. Mais attention à mes mots de couvre. Au tique à ma soeur, c'est mon go. Non, mais je vais mourir.
point B, il n'y a pas d'intermédiaire. Ou tu es sur le point A, ou tu arrives sur le point B. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Dieu a pris Israël en Égypte. Il a sorti Israël de l'Égypte. La parole de Dieu, c'était quoi? Canaan. Alléluia. Amen. Donc le point A, c'était l'Égypte. Le point B, c'était Canaan. Dieu avait déjà déclaré. Et quand il a sorti ce peuple du point A, pour le ramener au point B, c'est là où maintenant ce peuple a commencé à vivre des choses. Le désert a commencé. Le désert a commencé. Le désert. Le désert. Un chemin de 3 jours. Et comme il y en a 40. Le désert. Le désert. Et pendant ce temps-là, pour atteindre Cana, bien aimé, la Bible nous dit, dans le désert, Israël a mangé la main. Amélima, il n'y a pas de Missima. Devant la mer rouge, mon nom n'a pas où est ni le Kawaniko. Donc l'équipe est vraie. Je ne suis pas l'équipe de la commune à Kati, Nazo, je suis sur le nom, mais je suis sur le nom, c'est quand même un souci. Donc, il y a des gens qui sont là. Bataille de Benana Sima, Falo, Benana Armée, Naé, Nyon, Solama. Bataille de Benana, et puis sur le l'équipe. Il y a un miracle que tu as déjà vécu dans ta vie avec le Seigneur. Il y a un miracle, bien aimé, à ta vie, balé, t'es mon corps. Son nom, t'as libre ta vie, Naïo. Et ça, les noms, on s'en passe à la vie, Naïo. Alléluia. Au Congo, ça a été. Amen. Et ça y est, la moni, peut-être, maï, moi, pas, et Kabouani à l'équi. Jourdé à l'équi. Jéricho à l'équi. Pas qu'il y ait des libres, son bataille, à Aïe, on a une autre, pas au l'équa. Mais dans le désert, c'est là où Dieu cherchez à former ce peuple. Alléluia. Amen. C'est dans le désert que le peuple a comment qui n'a pas ça. Azarapé Nanzambe, le col à la nation. C'est dans le désert que le peuple a régné même le miracle au Bamouna qui Nanzambe. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé. Sont toujours pourquoi conquérir la vie. Identifier à la nation. Nanzambe, Moussous. Pendant tout ce temps que le peuple passait dans le désert, il fallait que le peuple continue à marcher. Continue à marcher. Parce que le point B est comme qu'il a noté. Et ça, c'est le point B, c'est la libre. Je vous donnerai un pays où coule le lien et le miel. Nous sommes salés la bino, kubika ou pas ébouché au côté, au côté de nos camo. Si ma salé là, on y est. Mille qui sont coulés, mille qui sont coulés. Bien aimé, ce qui veut dire, dans un pays où il n'y a pas de maladie, dans un pays où il n'y a pas de mort, dans un pays où il n'y a pas de misère, il n'y a pas de souffrance. Dans un pays où tu n'as pas besoin au nom Mounda, dans un pays où tu n'as pas besoin de Sédic. Parce que si nous n'arrivons pas aujourd'hui à vaincre, à écraser la tête du serpent, parce que bien aimé, mitem en abyss, nous sommes aussi Canada. Amen. Nous pouvons beau crier, nous pouvons beau presser, nous pouvons beau gêner, frères et sœurs, aussi longtemps que nos cœurs sont loin de ces dieux-là, parce que nous sommes sortis de lui. Alléluia. Amen. Bien aimé. Au conquête, au zombie, au zombie, au zombie. Au zombie, à la point A. Au conquérité. Au conquérité. La repentance, bien aimé, qui veut dire
changement de direction. Parce que tu es sorti de Dieu. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image ou à la ressemblance de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous nous ressemblons à l'Europe. Nous nous ressemblons à l'euro. Nous nous ressemblons aux cailloux. Nous nous ressemblons, bien aimés, à tout ce que vous voulez. Mais tu n'es pas sorti dans tout ça. Tu es sorti de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sorti de Dieu. Voilà pourquoi. Par effort, on y a son sang. Mais fort, on perd son nom, son bien et mon son bimé. On dit dans la mboka, on a retourné dans la boule. Et si, Mathé, nous avons pris les pébos et qu'on a mis tout ça à l'air. Aux alas en apôtre, tu l'as caca, moussous. Au cas qui peut ma carte, mais la carte qui est libérée, qui l'a envoyé tout ça. Oh, mon voisin a monté. Caillou Benza, ok, Benza, on a mal à ça dans un bâtiment. On va dans un bâtiment de la tête à top. On a maintenant un bâtiment sur la petite Benza, un mois plein. On a maintenant 2000 dépendés quand même maintenant en Bimaboy. Mais ce qu'on demande à celui qui touche 2000 dépendés quand même en Bimaboy, dès lui qu'il a commencé, sa vie découverte, la découverte. Découverte, la découverte. Ce qu'on demande à celui qui n'a pas. Ah, Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a mis dans le monde qui m'a soucié. Mais tout le monde a mis dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de l'importance. Alléluia. Amen. Manque de l'importance, bien aimé. Mais tu m'as mis sur la musique, tata. Tu es là dans l'église. Mais tu m'as mis sur la musique, tata. On dit, quand je regarde l'église aujourd'hui, nous avons dit que nous avons l'ancienne alliance. Vous savez, dans l'ancienne alliance, et ça qui nous a dit que nous avons dit voilà, nous avons dit que 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 nous avons attends-moi 45 minutes, mon bourré. Ah, fond mon sacrificateur. Ah, il y a maman n'a pas été en gros. Il n'y a pas égorgé car ma kila ni nous avons sanctifié. On a monté une église, mais d'abord, comme il y a une église, il y a un bourré. Bissol, dans l'alia, ma bourré. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya. Quelle personne n'est pas maintenant où yemba ya ya ya. On attend où yemba ya ya ya. Yes, on attend. Nous comprenons. Ya ya ya. Papa eh, papa eh. Pour tout le monde, t'es canard papa. Papa eh. Bien aimé, vous allez commencer à chanter papa eh, papa eh. Ya 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 ya. Ya ya yoka allez. Papa souvent lui que moi n'ai qu'une bacanie. Attends moi n'ai pas de drogue. Attends il m'a dit. Papa au qui maman mon commissariat. Voilà à salini. Aïe bien aimé moi n'ai pas. Mais pour tout n'a moi n'a sali ni. Mais avec des coups maintenant au yemba. Ya 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 ya. Papa au moment où vous m'accueillez. Ya 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 ya. Parce que ton cœur est éloigné de Dieu. Non, Seigneur, dis-moi, peut-être l'année de Christ à vos frères. Sœur, je vais vous choquer un peu aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, même ce que je fais, la prêcher la parole, il y a monté un peu sa patronne à côté de l'eau. Amen. Amen. Bien aimé, chante. Chantez comme vous voulez. Bon, bah, nous allons m'appeler parce que l'autre moment, je vais vous comme encore. J'ai chanté comme David. Chantez dans le quoi David.
Les canaux à David. Les canaux à David, bien aimé. Pas nous canaux à Bélé. Il y a un côté coach pour vous. Amen. C'est ton cœur. Comme Dieu te regarde, comment est l'état de ton cœur? Nous venons, nous donnons des offrandes, nous prêchons la parole de Dieu. Nous dansons pour Dieu, c'est bien, bien aimé. Écoutez, je ne vous interdis pas de quitter l'église. Je ne vous interdis pas de ne plus donner des offrandes ou des dîmes. C'est la parole de Dieu, nous devons obéir à cette parole. Mais ce que vous devez savoir, cet après-midi, en forme de côte à bisolo la terre. Comptez et côte à malo la terre. Chantez et côte à malo la terre. Oh, côte à malo la c'est mon intimité avec le Père. Amen. Parce que Christ a tout d'abord tout vécu à la croix. Si réellement tu es sorti de Dieu, bien aimé, on vaincre. Alléluia. On vaincre, vouloir ou pas. On vaincre. Le diable est puissant. Ne vous trompez pas, le diable est puissant, il est très fort, mais le diable est là que vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes morts à courage, nous sommes tout ça. Satan n'a pas de nom. Parce qu'il doit défendre les gens. Il doit défendre les gens. Et pour vaincre, cet après-midi, Dieu t'appelle à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à la repentance. Si nous bien aimons ton Lexabaël, nous n'avons pas de terre. Ton Lexabaël, nous n'avons pas de terre. Après-midi, il faut le faire dans la haute dame. Où Bouillon pendant Mikila Moulou. C'est Moulou et Limbara. Bouillon dans le paroi à Foufa Pétonier. Bouillon dans le paroi à Lali. Bata télécoche moi télécommande. Nous croisons ma colonne. On y tout ça. On y a tchè là. Mais ta ouïe n'a aucun âme. Ouïe n'a aucun âme. Je crois que ta ouïe n'a aucun âme. Parce que c'est ce que nous devons savoir, bien aimé. Au-delà de tout ce que nous avons besoin à conquérir, d'abord, Christ est venu. Il a conquis le monde. Il a vaincu le monde. C'est à nous maintenant de vaincre le monde, de vaincre le péché. Parce que ce qui est important dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, nous prenons soin de ce qui est extérieur. Je ne dis pas que tout ça a propreté. Je ne dis pas que nous l'avons dit. Que nous avons dit que nous avons il faut travailler. Ma parole en disant que nous avons dit que nous parole en disant que nous avons dit que nous avons dit que nous avons propre. Ce n'est pas que nous avons dit que nous avons dit tout ça, non. Parce qu'il y a un mot de côté de la tête. Nous avons dit ça va nous soit là encore ça. Mais la première des choses, c'est d'abord ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mot permettre de convaincre. Alléluia. Nous allons voir une deuxième chose. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Pourtant, on a du verset 1er au verset 12. Maintenant, autant on va sauter un peu. Faute de temps, on va gagner un peu de temps. Nous autant ma caca, le verset. Ézéchiel 47, nous nous lisons seulement à partir du verset 3, qui en a 5. Ézéchiel chapitre 47, qui vont de 1 jusqu'à 12, des 1 jusqu'à 12, mais nous allons lire des 3 à 5. À 5. Merci. Bien-aimés, nous allons honorer la parole du Seigneur comme d'hab. Je vis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main
un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit avec ses lots. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit avec ses lots. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, on nous raconte aussi l'ange ramenant les profonds, les prophètes, dans une profondeur d'eau. Pour la première fois, l'ange demande au prophète de traverser l'eau, c'est-à-dire d'entrer dans l'eau. Et quand le prophète pénètre dans l'eau comme ça, il voit que l'eau était au niveau de ses vies. Alléluia. Amen. C'est comme dans ma main, c'est comme dans la main. Tant que bandit les bandits, au moins, on a que nos mains et ceux qui ont la moisse. Aussi, nous avons besoin de pousser ça. Aujourd'hui, on a que nous avons besoin de pousser ça. Mais ici, nous avons besoin de pousser ça. Et ça, c'est un côté, moi, je suis un bandit, je suis un bandit, je suis un bandit, je suis un bandit, je suis. Et les prophètes aussi, nous avons un bandit, quand on a dit voir ses vies. Là où il était, là où j'ai regardé, il a dit non. Parce que cet homme doit vaincre. Il faut que cet homme emporte quand même un zamba pour qu'il s'appelle. À mesure que tu as habité la dimension de Robo, la commune à niveau à mi-balle. La Bible dit, l'homme arriva au niveau de chez nous. Ma colonie, ça n'a pas de mal à belle nasse. Ah, j'attendais le minant et coquette. Et vous savez, dans la Bible, quand on parle de l'ange, et on a qui s'en zambé, Yemoko. Quand on dit un ange, c'est-à-dire que quand on parle d'ange, on parle de Michael, ni on saute au Yévi. Mais là, on parle de l'ange, c'est-à-dire Dieu lui-même, dans son œuvre, il conduit son serviteur, le prophète. À tel avis, il y a chez nous, ma colonne, il faut toucher dans le camp, ma belle. Abidjan, il faut qu'il avance encore. Abidjan, il y a qu'un petit. Mais il y a la troisième dimension. La troisième dimension, la Bible nous dit, mal est comme il a niveau y a rien. Tant pas inondation, ça la manque. Nous tous sommes monica en mal, déjà comme on a déjà dans le niveau barre. Et comme il problème. La niveau chez nous, ça se passe encore. Tu peux traverser. Mais c'est comme il a niveau y a barre. Et comme il m'a boule. Et surtout que tous avons mis la ligne de monte. Donc tout le monde se dit combien de gens, il y a combien de gens dans rien, mais il y a combien de gens dans l'épaule. Donc c'est un danger déjà. Prophète Tali, bien aimé, vous savez le niveau il y a rien. Quand on parle de rien, spirituellement parlant, dans un monde il y a un tourment, dans un monde il y a un problème, maladie, mort, toutes sortes de difficultés. C'est pourquoi la vie n'a plus souvent dans Nzambé il y a deux fois. À un certain moment, tu te poses une question. Est-ce qu'il y a un ensemble dans Nzambé, ton ensemble la terre? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que nous sommes dans ça, les gens aussi, ma terre. C'est à ce moment-là, on va aller déjà au temps. Marche, n'a même mis une dimension, mon corps, mal et comme un niveau, il y a quand même. Le problème est comment il y a la vie. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Quand on est comme il y a un niveau, il y a rien. Il y a un niveau abandonné. Et aujourd'hui, beaucoup dans l'église, bien aimé, au Bazaki, dans l'ignorance, qu'il ne faut pas se répandre. Pour ne pas convaincre, au Lyon, ce sont tous les vies dans le bango. Beaucoup, parce qu'il n'y a pas de l'antan. Parce que rien n'a pas rempli la moki. Parce que rien n'a pas rempli peut-être n'a pas lié mon corps au Yesu qu'on décrit vie n'a pas. Mais cet après-midi, je suis venu te dire, yo nous a qui déjà n'a marche. Yo maï, y'a commis déjà le niveau y'a barin. Écoutez, n'a niveau y'a barin, n'a maï ou an est-ce qu'on chocolat yo. Parce que ce temps-là, n'a maï ou y'a pas ma pas maté. Tu marches dans leur vie.
Continue ta marche. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Amen. Sur le point d'arriver. Amen. Sur le point d'arriver. Amen. Bien-aimés, vous savez, l'ange avait mis la quatrième dimension. Quatrième dimension, la Bible nous dit, à quoi qu'il souffre, que t'as la terre. Il fallait que à nager. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand tu arrives dans la profondeur, Néanmoins, ils ont yébi nager, c'est-à-dire au Koukoli, au Kéi. La profondeur à moi est tambour. En ce moment, bien aimé, ma colo et prophète, les alli sous la ma belle été. C'est-à-dire la zone nager dans la maille. Vina et mobile comme la kati à maille. Quand quelqu'un nage dans l'eau, vina et mobile comme la maille. A comme qu'on dépend de cas la maille. Et maille, voilà la vie, c'est Jésus-Christ. Si tu veux vaincre bien aimé, tu dois quitter la première étape, arriver au deuxième. Arrivé au troisième, quand tu arriveras à la quatrième, c'est alors qu'on va au monde. Toi, tu n'existes plus. Nous amenons ton commis pour exister. Maïne comme mes maillots. Maïne comme mes maillots. Parce que tu ne peux plus marcher. Vous savez, dans vos tambours là, la terre est qualifiée au péché. Comme dans la première étape, tu es comme dans la troisième étape. C'est-à-dire tu es encore dans le péché. Alléluia. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu sers le Seigneur. Mais il y a encore des petites choses dans ta vie. Ces choses-là que nous appelons des petites séries, des péchés séries. C'est-à-dire que ça péché moussousuko. Nous avons dit ça, nous avons dit, ah, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, mais petit, tu as son amour, ni un petit, tu as un tabou. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, petit, tu as un tabou pour empêcher de vous vendre au nage. Donc, comment vous aurez la décision? Les gens vous sont une vraie décision. Obita, tu as l'exil à la table, on n'a pas un bain. Laissez la nage à la macala. Petit enfant, la tambour, les enfants, la nage. Au nage, là. Amen. Qui est bien, amen. Qui est bien, amen. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis venu, mais j'en ai encore le coup d'accord. Donc, il y a le coup d'accord. Attends, mais ça, encore, ça te fait quoi ça? Attends, mais encore, ça te fait quoi? Donc, fais quoi ça, les gars? Fais quoi ça, les gars? Vous comprenez? Les maçons, c'est comme dans mon monnaie courante. Donc, fais quoi ça, les gars? Fakos à moi, Fakos à moi, si on a les cas qui vont nous saler si les cas, on les gagne. Vous comprenez? Au même moment, les gars, ils vont nous donner la tine la qui mère à Batoukouna innocente et les gars, ils la mon bon. Donc, Fakos à caca, Fakos à caca. C'est ce que nous appelons de péché, chérie. C'est ce qui nous empêche à vivre, à contempler. Avec bien aimé le monde, avec même la maladie, alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, toi tu es malade, mais par rapport à cette maladie, tu viens à l'église, parce que ça me la bonne ailleurs. Tu vas enseigner pour la route, imaginez que nous sommes pas la photo, on va vérifier mon pied. Parlons de Dieu, on va tout trop. Bien sûr. Vous savez, mon tout le temps, on va prendre un coup pour nous, j'ai né pour nous, j'ai né pour nous, j'ai né pour nous. Baraba kaka ya mashaka ya bibi benza. Mete mga masili sina iwana. Nenga bibi na iku na nima. Deja kutu panda yuko banda yu sambe ya. Eza avatiyo mungu izili na kwe. Izili na kwa kina iku. Upanda ki masisi yu sambe la puna ye. Tama soki pena ndaku mama na bangode pimbo katini la imuwa. Elo mungu mungu. Mungu ni pushe wana. Soka wa mungu bima fokwa kula mungu. Kwa mungu. Osa netoile mon coin dans la macasse. Bah toi là t'as pas mon étoile Ninoza. Étoile Ninoza. L'étoile c'est Jésus Christ lui-même qui est l'étoile Ninoza. Amen. Oh bah toi on a la étoile naïté. Donc nous aussi là nous quand on continue on y n'a mboka na biso. On y n'a mboka na biso. On y n'a biso boyé na biso boyé. Nous on y aura pas ça dans ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, on passe à ce nom, toi, hier, mon fort, le camarouille, le camarouille, les années.
Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Vous comprenez? Bien, maintenant, ma commune, la quatrième dimension, c'est là où maintenant, ce qu'on commune la dimension, on a au quotidien la vision et en Zambé. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en toi. Alléluia. Vous savez, quand Paul marchait, la Bible nous dit, quand il a rencontré Christ et Jésus, Paul marchait, il a au temple. C'est significatif, bien aimé, la marche. Vous avez même moi, la soirée pour ta vie. Tu vois comment un certain âge a au temple. Maman, papa, papa, combien est Dieu. Mais moi, non, il y a au temple. Oh, on a au temple, on a 9 mois. Il y a 18 mois au temple. Vous avez même moi, on a au temple. Ça inquiète. Ce qui veut dire toi aussi dans le Seigneur. Si tu n'arrives pas à marcher, ça doit t'inquiéter. Alléluia. Amen. Tu dois marcher jusqu'à arriver à cette dimension. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit dans moi. Paul l'a dit. Bien aimé, c'est naturel. Pendant que Paul faisait cette déclaration, ma belle amoy, kosala, yamane na zali, kosala, bola muna lingi, kosala, amokona ko kite. Paul était déjà dans le Seigneur. Paul avait déjà rencontré Christ. Mais bola muya lingi kosala so koka osala ngote. Mais moule, faut écouter la vie.
Peut-être c'est la semoule qui te fortifie. Peut-être c'est le caillou qui te fortifie. Ou c'est ton mariage qui te fortifie. D'autres, le ministère même, pardon, qui leur fortifie. Mais moi, j'essaie une chose que je vous annonce cet après-midi. C'est Jésus-Christ qui fortifie. Amen. Amen. Si c'est lui qui vient à ton secours, sache que tu es en mesure de tout vaincre. Amen. De tout vaincre. Amen. De tout vaincre. Amen. On doit terminer par une pensée. Et cette pensée, chaque année, la Seigneur après ça, pensé mon pour ma vie et pour son peuple. Et pendant que j'ai prié le Seigneur l'année dernière, nous avons pensé au Namouté Manama. Au Bissonion Sotoyeki. Mais pensons-nous, ton Obamoka Nam, ton commandement à Soukate. 3 Jean verset 2. Je pouvais dire chapitre 1er pour 3 Jean et Zalakana, chapitre beaucoup. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, ma vie, la vie soit à tous égards, en d'autres termes, c'est-à-dire, je souhaite que tu puisses vaincre. Que tu puisses apporter des victoires, que tu puisses battre, au nom de ces de la joie de vie, dans le domaine Nyonso, que ce soit dans le domaine physique, matériel, dans le domaine financier, que ce soit dans la famille, dans le mariage, dans le projet, dans l'entreprise, dans le domaine Nyonso. Mais nous avons comme prospère l'état de ton âme. Ce que nous sommes dit s'en va dans l'autre sens. C'est qui veut dire, si ton âme ne prospère pas, ma communion sur la vie et prospérité. Alléluia. Amen. C'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour cette année. Et je ne manquerai pas, il y a un lobamona, il va dans partout par les côtés. Les souhaits de Dieu pour cette année, à partir de cette année, que son peuple soit béni, que l'église soit bénie. Mais parce que notre Dieu est esprit. Il nous dit dans sa parole que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il nous recommande que ma âme et la bisou est prospérée. C'est alors que nous il y a vie à bisou, il y a église, ce qui ministère, ce qui mariage, ce qui bambanaïo, ce qui moussalanaïo est prospéré. C'est ça le souhait de Dieu. Amen. C'est ça le souhait de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pendant 2-3 minutes dans la prière? Merci bien aimé. Nous voulons chanter les koulous. Alléluia. Les koulous. Les koulous.
moko songolo olenge ndeko na biso témoignage tout le bandeli awa obikate pokoko wana kufela yote. Écoutez, même le médecin que tu consultes a coupé la yote. Tu croyais peut-être venir en Europe. Et ça pour yon mona. Bon, suis quand il a vu la yote, on a libota na yo. Mais l'Europe est déçue. Cet après-midi, na yon koye bisa yo. Et ça quand Yesu a coupé la yote, on est courouche. Chaque fois, moi, il m'a témoin na yo. Dis à ces yeux-là, Seigneur, c'est là que tu as dit tout est accompli. Mais voici, car l'œuvre de la croix a été accomplie dans sa totalité. Je veux vivre l'œuvre de la croix dans ma vie. Voilà pourquoi je me donne à toi. Je me remets à toi. Seigneur, viens à mon secours. Prends soin de moi, car c'est toi le bon berger de ma vie. Pendant que nos chants chantent à basse voix, tu commences à prier là où tu es. Et je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Désire, désire, désire. Désire, désire le Oh.